Bonjour à tous, bienvenue sur la plume de Mélusine. Je vais vous expliquer un petit peu brièvement quel est le concept de la plume de Mélusine. C'est donc de vous diffuser des vidéos avec des exercices d'écriture afin que vous puissiez chez vous travailler sur l'écriture et sur vos talents futurs peut-être d'écrivain. Donc là, par exemple, pour commencer aujourd'hui, nous allons travailler sur l'improvisation écrite de groupe avec une liste de mots à intégrer dans votre sujet d'écriture. Donc c'est un exercice que moi j'ai réalisé à plusieurs. Donc nous étions une dizaine de personnes, chacun trouvait un thème d'écriture. Moi j'ai décidé par exemple d'écrire sur l'Islande. J'ai commencé à écrire mon sujet d'écriture et chacun notre tour, nous devions prononcer un mot assez pertinent qui faisait partie de notre texte et tout le monde devait l'intégrer dans son propre texte. Exemple, moi j'ai écrit sur l'Islande et les geysers, le mot que j'ai prononcé était geyser et tout le monde devait trouver une façon de l'intégrer dans son histoire. Voilà. Donc là je vous ai mis la liste de mots qui a été diffusé dans cet atelier. Donc vous, là, vous pouvez le reproduire à la maison sans être à plusieurs, puisque la liste de mots, vous l'avez déjà sous les yeux. Il vous suffit juste de vous prémunir d'un petit sablier ou d'un petit chronomètre afin de voir que toutes les 2 minutes, vous intégriez un de ces mots. Le mieux, c'est de le faire quand même dans l'ordre. Donc vous commencez par hélicoptère, ensuite par geyser, scène, fer, entrée, vers lui, rictus, Charlie et horreur. Tout de suite, je vais vous lire donc le texte que moi j'ai produit avec l'intégration de cette liste de mots. J'étais décidé à prendre des vacances et à partir loin d'ici. Cette ville qui m'a vu grandir ne me permet plus de m'épanouir. J'ai choisi l'Islande et ses geysers pour destination. Le matin de mon arrivée, je pris mon maillot de bain et me jeta dans le premier geyser venu pour me détendre. Quand je vis un hélicoptère au-dessus de moi survoler la région, sûrement pour la surveillance des geysers fontaines situés à quelques kilomètres. Je repris ma position de relaxation. J'étais allongé et je regardais la scène somptueuse qui se déroulait en face de moi. Les arbres virevoltant dans une couverture nacrée de couleurs chatoyantes et le contraste de l'eau bouillonnante en effervescence. Cette eau, couleur fer, gorgée de minéraux, redonnait à mon corps et à mon esprit toute sa lucidité et sa vitalité. Elle entrait en moi comme le souffle de la vie. Soudain, un daim fit une apparition à quelques mètres de moi. Mon regard se tourna vers lui. J'étais comme hypnotisé par sa majestuosité. Puis, il disparut, fondu dans ce tableau, laissant place à un rictus de déception. Un nom me vint à l'esprit. Charlie. Ce daim, je l'aurais bien nommé Charlie. D'ailleurs, je décidai de l'appeler comme ça. Et c'est tel qu'il resterait dans mes souvenirs, pour ne pas l'oublier. Quelle horreur! Je pensais à tous les noms que je n'avais pas donnés, à tous les fantômes de mes souvenirs. Je décidai de terminer mon bain et de prendre la plume pour remédier à cet oubli. Et revu sur papier mes plus beaux souvenirs. Donc voilà un exemple d'un texte que vous pouvez produire avec la liste de mots à intégrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cet exercice. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo pour un autre exercice. Je vous remercie, au revoir.